matin, il est 9h-10. Jackson dort encore. Ben, il dort. Je pense qu'il bouge, mais il parle pas, il fait rien. Mais c'est ça. Fait que là, on a déjeuné, moi pis Zach. Puis on a mangé tous les deux un du yogourt avec. J'ai mis des fraises dedans. C'était bien bon. Puis là, il fait vraiment froid. Je laisse la clim allumée parce que je sais qu'au cours de la journée, il va se mettre à faire plus chaud. Mais en ce moment, il fait vraiment froid. Dans ma maison, il fait 21. Puis c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, il faut que j'aille reporter l'auto à ma belle-mère. Puis Zach, laisse tranquille. Mais pas pris. Puis puis c'est ça, fait que je sais pas, je vais sûrement y aller comme avant la sieste à Jackson, parce que sinon ça va être comme vraiment trop tard, là. Mais c'est ça, puis on a parlé, moi puis Jérémy, pour le sac à dos. Puis genre, c'est parce que, comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit, il y en avait un autre en spécial à 20$. Là, il m'a dit, ah, tu sais, va chercher lui. J'étais là, ah, mais non, ça fit pas. Fait que tant que ça, si c'est pour pas fitter, il va garder son sac tout noir, puis sinon, ben, si je dépense, c'est pour dépenser dans le beau sac de skate, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Mais je pense que je vais y aller pareil. Je pense que je vais aller le chercher quand même. Parce que c'est plus fort que moi. Pour le reste, je pense juste à ça depuis hier. Puis j'ai des nouvelles pour un autre affaire aussi. Je vous parlais, là, que ma belle-mère, elle... Ta maman, parce qu'ils sont très, très jeunes. Non, tu vas la remettre là-bas parce que c'est pour mes déjeuners, Zach à elle. C'est pas clair, t'as des prières. Ouais, Jay a appelé ma belle-mère hier pendant que j'étais partie. Puis il a demandé, tu sais, pour que je prenne l'auto comme demain matin. Mais voyons. Puis comme je vous disais, son rendez-vous était à 9h. Genre à l'autre bout de la ville. Fait que je peux pas avoir l'auto. Puis là, ben, je checkais ça. Ah, demain annonce full de pluie. Super, faut que j'aille à l'école à pied. L'école est à une demi-heure de marche. Avec Jackson. Donc, ce que j'ai conclu de tout ça, c'est que sûrement qu'il va falloir que je sois là comme vers 7h30, mettons. Mais faut que je parte de chez nous à 7h demain matin. Avec Zach, avec son sac bien plein de stock. Pis la poussette, pis le gros kit qu'on va peut-être être à la pluie en plus. C'est dans ce moment-là que je suis comme, pourquoi je connais personne ici? Pourquoi j'ai pas de char? Pis, mais tu sais, en même temps, Jim me dit, ben oui, mais envoyez-le en autobus. Je suis comme, non, non, tu comprends pas. Non, c'est impossible, non. J'enverrai pas mon fils à l'école. Première journée d'école, première rentrée à cette école-là. Parce que, tu sais, il y a comme... Au mois d'avril, je suis comme allée le porter dans sa classe, mais tu sais, l'école était, l'année était déjà commencée. Mais là, c'est un nouveau début d'année dans un. Tu sais, qui est pas en sixième, là, il est en première année, là. Regarde, en tout cas. Ouais. Fait que je vais encore essayer aujourd'hui de trouver des solutions à ça. Puis sinon, ben, la solution, c'est que je marche, là. J'aurai pas le choix. C'est sûr et certain que je l'envoie pas en autobus. Fait que voilà. Donc là, tout moi, je vais vous souhaiter bonne journée. Puis nous, on va s'en parler tantôt. Salut, il est rendu. Je sais pas quelle heure, là. 10h30. Papa! J'ai aucune idée. Puis on s'en va chez ma belle-mère. Puis en même temps, on va aller chercher le sac à dos à Zach. Oh, il était content. On va aller chercher le sac à dos à Zach. Mais là, je cherche comme une dinde la clé de l'auto. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai mes clés de maison, mais j'ai pas mis la clé de l'auto. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que je vais vous montrer le choix Zach de sac à dos parce qu'il y a comme deux modèles. Fait que je vais vous montrer celui que j'ai choisi. Allô, on sort du Jean Coutu. Zach a choisi son sac d'école. Il avait choisi les deux, puis pour vrai, genre, il y avait vraiment de la misère à choisir. Là, je suis désolée, peut-être ma lentille est sale. Là. Je pense qu'elle est sale. Vraiment, je suis désolée. Mais c'est ça. Fait que il a choisi, puis là, en tout cas, en sortant, il dit, mais c'est pas lui que je voulais. J'étais là, ben là, c'est lui que t'as choisi, là. Donc on sera pas à aller le reporter, puis toute la niaiser de même. Fait que voilà. Tu veux te montrer? Fait que voilà. C'est le sac Loup-Garneau comme ça. Puis là-dessus, ici, là, il y a comme tous les trucs là, de même. Puis c'est ce que je trouve vraiment cool, là, c'est qu'il y a des attaches comme pour mettre au niveau ici, puis une pour mettre au niveau en bas. Puis il y a des full gros coussins. Là. En tout cas, au pire, j'essaierai de vous remontrer peut-être plus mieux ce soir. Mais c'est ça. Fait que c'est un super beau sac. Ça l'a coûté, avec les taxes, ça a coûté 46.
Mais je suis bien contente. Fait que ça va pouvoir faire plusieurs années. Ça va pouvoir faire plusieurs années. Puis Jackson va pouvoir l'utiliser aussi, mais qui arrive à l'école. Qui sait? C'est encore en super bon état. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais porter le sac chez nous. On s'en va chez ma belle-mère. Puis ça rien dit, il faut vraiment que je vais faire couper les cheveux à Zach. Mon dieu, je suis désolée depuis tantôt. Mais c'est ça. Fait que ça, faut que j'aille faire couper les cheveux à Jackson, à Zach. Fait que je vais demander à ma belle-mère là, tantôt de si elle veut garder Jackson pour que je puisse aller faire couper ses cheveux. Fait que voilà. Fait que bonne journée à tantôt. Salut! Il est vraiment plus tard. Il est rendu 5h. Mon dieu, je sais pas si. Ouais, ça, j'ai passé la journée chez ma belle maman. Puis dans le fond, là, je vous ai dit, en matin, j'ai acheté le sac et tout. Puis pour la rentrée, il a fallu que j'aille faire couper les cheveux à Zach parce que ses cheveux étaient longs et dégueulasses. Puis genre, j'ai juste dit à ma belle-mère, parce que le pire, c'est que c'est Zach qui y a pensé. Genre, en allant chez Jean Coutu, il y a un salon de coiffeur comme à côté. Puis là, Zach, il a fait comme. Oh maman, faut me faire couper les cheveux aujourd'hui, nanana, j'ai fait comme ouais, j'avais oublié, genre vraiment. Puis c'est ça, fait que là finalement en arrivant chez ma belle-mère, j'ai dit comme hey, ça te dérangerait-tu de garder Jackson avec toi comme pendant sa sieste, je vais aller faire couper les cheveux à Zach. Puis finalement elle m'a dit oh ben oui, ça me dérange pas pendant tout. Puis là on parlait avec Nicolas dans le fond, le petit à mon beau-père, ben le petit, il y a quand même 11 ans là. Pis c'est ça, fait que là, ben elle dit ben emmène Nick avec toi, fait que j'ai fait couper les cheveux aux deux. Fait que les deux ils ont une belle coupe, parce que dans le fond Nicolas il avait fait couper ses cheveux à une autre place. Puis la fille elle avait comme manqué, il avait comme demandé quelque chose, mais ça avait aucun rapport avec ce que j'ai demandé, tu sais. Ben en fait, oui ça avait rapport, mais elle a juste vraiment manqué, là, solide, là. C'était comme une stagiaire. Pis c'est ça. Fait que là, ben, j'ai dit avant de partir, j'ai dit check, prends mon téléphone. J'ai marqué genre coupe cheveux garçon 2018, là, tu sais, pour que ça tombe sur n'importe quoi, là. Sur de quoi d'actuel. Fait que il a choisi ce qu'il voulait, puis la fille, il a fait ça, il était super content, c'est super beau, ça lui fait super bien. Parce qu'avant, il avait comme le côté rasé, puis là, de ses cheveux vraiment longs, ok, mais genre vraiment long, là, pour vrai, c'était comme, ça devait mesurer un bon comme 10. 15 cm de haut, là. C'était vraiment long comme cheveux. Mais c'est ça qui se carrait, c'est quelqu'un qui bougeait, ben là, ça tombait comme la moitié de ce bord-là. Fait qu'on dirait qu'il y avait une coupe champignon. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas beau. Mais c'est ça, fait que finalement, il s'est fait faire une coupe encore courte sur le côté, mais beaucoup plus courte sur le dessus. Mais c'est super beau, là. Elle a comme coiffé avec de la pommade. C'est super. Puis il y a Zach. Zach, tu veux montrer tes cheveux? Hein, Zach? Tu veux montrer tes cheveux? Non, demain, pour la rentrée. Ok. Zach qui va vous montrer demain son look de rentrée. Justement, tantôt, on va aller choisir le linge qu'il veut porter pour demain. Puis, c'est ça. Fait que je voulais juste vous montrer en même temps le sac. Quand il est bien garni. Fait que ça ressemble à ça. Oh, je vais vous tourner la boîte à lunch. Fait que c'est le kit. Je suis vraiment contente, là. Tout rentre dedans. C'est sûr qu'il est plus petit que l'autre sac. Parce que l'autre sac, c'est celui-là ici. Là. Ceux qui peuvent se demander, c'était un sac du Walmart. Que ma mère m'avait demandé d'acheter pour mon frère, mais... En tout cas, finalement, genre le shipper par avion, puis tout, ça me coûtait 94$. Là. Fait que là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, ben là, ça n'a aucun sens. Tu sais, oui, le sac a coûté 10$ parce que ma mère en France, les sacs sont vraiment chers. Là. C'était comme une vingtaine d'euros en montant. Là. Puis, tu sais, ben ça donne comme une trentaine de dollars canadiens. Pour qu'il le reçoive à temps, il fallait que je paye 94$. Et là, je suis là. Ben, mettons que ton sac, il en vaut plus vraiment la peine. Rendu là, t'es mieux d'en acheter un autre parce que c'est elle qui allait me rembourser le voyage, ben tu sais, le shipping, là, fait que c'était comme, pour elle, c'était zéro gagnant. Fait que c'est ça. Donc, Zach avait son sac bleu comme ça l'année passée, puis j'ai dit, ok, si tu veux faire un changement cette année, prends le noir. Puis finalement, ben, il a son sac Louis Arnaud. Mais comme j'ai dit, si l'année prochaine, tu le trouves trop bébé, puis tout, moi, c'est sûr, je le garde pour Jackson, mais qu'il fasse la maternelle ou quand même. Puis tu reprendras ton sac bleu ou ton sac noir, là, tu sais, c'est des super bons sacs, sont en super bon état encore. Fait que voilà! Ouais. Puis, c'est pas mal ça, j'ai été à poste. Ben, Zach a été à poste. J'ai pas reçu ma couche jeans encore, mais ça va sûrement être demain. Puis, c'est ça. Fait que, moi, je vais vous dire à tantôt, je vais essayer de vous reparler plus tard, avant de faire mon montage. Puis, ouais, je vais essayer peut-être de filmer la préparation du lunch, parce que je pense que cette année, je vais commencer à faire les lunchs le soir, pour qu'ils soient prêts le lendemain. Puis, ah, oh, voyons! Hey, ça, j'ai plein d'affaires à vous dire.
Ma belle-mère aussi, on a parlé, là, parce que là, je vous ai dit là, que j'allais pas voir l'auto puis tout, puis que ça m'angoissait bien gros. Parce que son rendez-vous, il était à 9h le matin. Là. Mais on a trouvé une solution dans le milieu. Elle a l'auto en ce moment. Demain matin, à 7h15, elle va être ici. Elle va venir avec moi à l'école. Puis elle va m'attendre sûrement comme dans l'auto avec Jackson, genre. Moi, c'est juste pour que j'aille trouver le prof à Zach, puis que je fasse comme, tu sais, bonjour, je suis la mère de Zachael, genre, là. Puis qu'il puisse aller, alors il va rester avec son groupe, puis tout. Moi, je vais revenir ici, ma belle-mère va partir à son rendez-vous, parce qu'elle, faut qu'elle soit partie comme à maximum 8h15. Mais moi, je vais être partie, tu sais, là-bas, ça va me prendre comme 10 minutes, 15 minutes. Fait que, tu sais, on va être ici comme à même pas 8h, fait que ça va être parfait pour elle, elle va pouvoir partir après. Fait que, ouais, je suis contente. Résolution de problème aujourd'hui. Bou bou bou! Fait qu'à tantôt! J'ai enfin tout préparé pour la rentrée de Zach. Son linge de rentrée est dans la laveuse. Son sac est étiqueté parce que, comme je vous ai dit, ben, il a fallu que j'étiquette son nouveau sac. Puis, dans le fond, qu'aujourd'hui, comme vous avez vu, son lunch est fait. Ce que vous avez vu, j'espère que ça va bien fonctionner. Parce que j'ai beaucoup de la misère à mettre des accélérés avec de la musique parce que ça fait tout bugger. Fait qu'en tout cas, puis là, mettons, je mets de la musique, puis là, ben, quand la musique finit, ben, j'entends plus le reste de mon vlog. En tout cas, bref, fait que je souhaite que vous l'ayez vu. Mais c'est ça, fait que j'ai fait son lunch. Il a pris son bain de fond en comble, je suis même allée le laver. J'ai fait l'enveloppe de paiement de frais scolaires. Puis c'est pas mal ça, fait que tout est prêt. Il me reste juste à mettre son linge dans la sécheuse quand il va être prêt. Puis j'ai comme préparé comme deux chandails, parce que dans le fond, c'est un chandail que quand je l'ai vu dans sa chambre, j'ai fait comme « what the fuck ». Mais ce chandail, là, je suis désolée, j'ai comme monté la luminosité, c'est peut-être genre vraiment trop fort, bref. Ouais, c'est ça, c'est un chandail que j'ai acheté il y a quelques mois au Walmart. Puis là, ben, il l'a porté comme deux fois, une fois même, puis il est taché en avant. Il l'avait pris dans sa chambre, il l'avait garoché dans un coin où je l'ai retrouvé genre juste aujourd'hui, puis ça doit faire comme... On l'a acheté quand on habitait ici, mais on l'a acheté genre style à la fête des mères, là, tu sais, genre au mois de mai, là, une affaire de même. Fait que, ouais. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'il l'a pas porté. Fait que là, vu qu'il est taché, j'ai mis de l'oxyclean tout dans mon eau pour essayer que ça parte. Puis si ça m'est vu que, tu sais, le chandail est blanc pis tout, ben j'ai mis un chandail noir que j'ai juste comme, qui est nouveau aussi, mais que j'ai juste comme lavé, là, tu sais, pour faire comme ça. Je suis sûre que si le chandail est blanc, il est encore taché, mais au moins, il va avoir une autre option. Fait que c'est pas mal ça, fait que tout est prêt. Mais je me sens pas du tout comme une veille de rentrée, là. Pourtant, je veux dire, c'est sa première année, là, c'est pas la maternelle, peut-être pour ça, on dirait, je sais pas. Mais je suis vraiment moins dedans que l'année passée. Mais en même temps, je suis contente, là, j'ai hâte de, comme, respirer, puis d'avoir du temps un peu pour moi, là. Même si j'ai Jackson encore à temps plein. Mais, tu sais, quand il dort, ben, c'est la paix, puis tout, là. Fait qu'en tout cas, bref. Donc, vous allez voir demain un vlog de rentrée. J'ai hâte de vous montrer ça. Puis, voilà. Fait que là-dessus, moi, je vous souhaite une bonne nuit. Puis nous, ben, on va se revoir demain. Puis, vous allez voir ça aujourd'hui, ben, mercredi. Je sais pas si vous, l'école, commencez aujourd'hui. Mais je souhaite une bonne rentrée à vos petits poulets. Puis, j'espère que tout va s'être bien passé. Puis qu'ils aiment ça, si, surtout s'ils commencent la maternelle, puis tout. Oh! Donc, c'est ça. Fait que bonne journée. On se revoit demain. Bye!